Un réexamen majeur des opérations américaines d'espionnage va être lancé. C'est la chef de la puissante commission du renseignement du Sénat qui l'a annoncé. Les auditions des dirigeants de la NSA vont par ailleurs se poursuivre aujourd'hui devant une commission de la Chambre des représentants. Les révélations sur les activités de la NSA, dont l'espionnage de plusieurs dirigeants européens comme Angela Merkel, ont contraint la Maison-Blanche à promettre des réformes. Nous leur donnons des instructions, a expliqué Barack Obama. Mais ces dernières années, nous avons vu leur capacité se développer et s'étendre. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé, dit-il, un réexamen de ces opérations pour être certain que ce qu'ils sont capables de faire ne devienne pas ce qu'ils doivent faire. Une délégation du Parlement européen est depuis hier à Washington pour des discussions sur le sujet avec les élus américains. Il faut reconstruire la confiance, a notamment déclaré cet élu du Parti travailliste britannique. Nous avons besoin de savoir pourquoi une telle surveillance a été opérée, dit-il, et sur quelle base nous pouvons reconstruire la confiance. En Europe, les révélations s'enchaînent sur l'ampleur des programmes de surveillance américains. Ce lundi, le quotidien espagnol El Mundo a dévoilé que plus de 60 millions d'appels téléphoniques ont été espionnés en seulement un mois.